Camping Gear Magazine poursuit son tour de France des sites touristiques et comme vous pouvez le constater derrière moi, à la vue des moutons des prés salés, c'est sur la baie du Mont-Saint-Michel que nous avons mis cap. Effectivement, la merveille de l'Occident est un site idéal pour les camping-caristes puisqu'il fait partie avec la baie du site le plus fréquenté et le plus touristique de Normandie. Pour accueillir les camping-caristes, il y a tout ce qu'il se faut. Il y a des parkings réservés et dédiés qui sont directement sur le site ou tout du moins à proximité. Bref, l'endroit était idéal pour venir nous aussi faire un super essai. Après ce petit intermède touristique qui, je suis sûr, vous a fait plaisir avec ce somptueux Mont-Saint-Michel, nous avons tout de même décidé de mettre le cap sur une étendue un petit peu plus sauvage qu'est le Cotentin pour tester un véhicule d'une marque française et il s'agit d'un Rapido. Le mois dernier, Camping Car Magazine mettait l'honneur sur les néo-compacts, une nouvelle définition pour ces véhicules tendance qui font moins de 7,50 m mais un tout petit peu plus de 7 m. Rapido dispose d'un de ses véhicules dans sa gamme série 6. Il s'agit du 686F qui a fait les choux gras de la collection 2019. Le véhicule fait 7,19 m de long et autant vous dire qu'effectivement à l'intérieur, toutes les tendances sont réunies pour répondre à une clientèle la plus large possible. Pour séduire le marché français, il est difficile de ne pas avoir recours à l'incontournable salon face-face très en vogue à l'heure actuelle. Ce 686F reprend donc cette disposition des assises latérales en vis-à-vis, mais sur un gabarit de 7,20 m, il est fort logique que par rapport à son grand frère, le 696, le salon soit plus réduit. Mais 4, c'est le nombre de personnes qui sont autorisées à voyager à bord, puisque ces banquettes dissimulent des assises parfaitement homologuées avec des ceintures 3 points. Malgré un petit emmarchement au sol, ce véhicule a été étudié également pour faciliter la circulation à bord. Alors certes, il y a encore ce salon face-face qui permet de se mouvoir aisément, mais surtout la table se rabat par moitié, ce qui libère un vrai espace très appréciable pour circuler de l'avant jusqu'à la chambre. L'espace nuit, parlons-en. Ce 686F fait la part belle à un lit central, difficile également sur le marché français de s'en détourner. Contrairement aux apparences et notamment aux biseaux que l'on peut voir en penderie, ce couchage ne fait pas 160 comme sur d'autres modèles du catalogue, mais il fait 150 cm de largeur aux épaules et 193 cm de longueur. Le sommier est fixe, mais en revanche, Rapido a souhaité travailler une fois encore sur la circulation dans cet espace nuit et ce modèle est pourvu d'une tête de lit relevable qui libère considérablement l'espace en pied de lit. Le poste sanitaire sur ce modèle est en deux parties. En revanche, ici, pas de salle d'eau à double cloisonnement. La douche indépendante profite quant à elle d'une isolation parfaite. Elle est spacieuse et surtout parfaitement lumineuse et aérée grâce à un lanterneau. Et elle fait face au cabinet de toilette qui lui dispose d'un WC et d'un lavabo. Ces deux postes sont parfaitement dimensionnés et s'accompagnent d'une autonomie en eau de 120 litres pour les eaux propres et de 90 litres pour les eaux usées. Un chiffre qu'il faut quand même toutefois nuancer puisque ce véhicule est homologué sur route avec une capacité tarée à 20 litres. Si l'espace a été optimisé sur ce 686F, la cuisine en profite très largement puisqu'il est extrêmement facile de se mouvoir sur ce poste. Il est intéressant également de noter que pour ce millésime, Rapido a travaillé sur un nouveau design de cuisine qui se veut à la fois plus fonctionnel et pourvu d'un grand nombre de rangements. Ce modèle est équipé de 3 feux en ligne, d'un évier inox et surtout d'une petite tablette amovible qui permet d'étendre le plan de travail.
À noter que sur le modèle, ce véhicule est équipé d'un réfrigérateur de 59 litres avec un espace congélation indépendant et d'une hotte aspirante, mais qui elle est optionnelle. Rapido a toujours su jouer sur ses ambiances intérieures et propose donc à la fois sur ce modèle une teinte de mobilier dite élégance qui se veut plus classique avec des teintes bois érable massif, ou comme sur ce modèle une teinte baptisée Castello, plus moderne il faut l'admettre, mais surtout plus lumineuse, à l'image du dessous du lit de pavillon qui est plutôt réussi à notre goût. Le couchage de plafond, parlons-en, puisque ce 686F est de base livré 100. Il est donc au catalogue des options et il permet d'augmenter la capacité d'accueil nocturne de 2 personnes supplémentaires et donc d'être parfaitement en phase avec l'homologation route pour 4 personnes. Alors si ce Rapido est affiché de base à 56 500 €, sachez que le modèle essayé comporte des options que vous jugerez plus ou moins utiles. Par exemple, le lit de pavillon est facturé 1 500 €. Et ce véhicule dispose également du pack Select qui, à notre sens, paraît presque incontournable puisqu'il dispose du régulateur de vitesse ainsi que le limiteur, mais aussi de la porte-cellule avec baie et de la moustiquaire, de la hotte aspirante intégrée ou encore de la caméra de recul qui, même si le gabarit se veut un petit peu plus compact que la normale, est un vrai atout pour protéger ses arrières. Ce pack Select est pour sa part facturé 1 990 €. Ce 686F derrière nous est donc affiché à 59 990 € en l'état. C'est depuis les très surprenantes et très graphiques petites cabanes de Gouville que notre périple touche à sa fin. Nous vous donnons évidemment rendez-vous le mois prochain dans un autre endroit de la France pour découvrir un autre véhicule. En attendant, prenez du bon temps et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'essai du Rapido 686F dans Camping Car Magazine actuellement en kiosque. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver également toutes nos vidéos et toutes nos actualités sur notre site internet www.campingcar.com ainsi que sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. À bientôt !